Dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation très rapide du logiciel Demetra. Demetra a été développé par Shelyaq Instruments pour mettre en œuvre les instruments, les spectroscopes de Shelyaq. Aujourd'hui, on va travailler avec la version ALPI-600 de Demetra. Je travaille avec la version 5.1 du logiciel. C'est un logiciel qui est gratuit et donc ça veut dire que vous pouvez le télécharger sur le site web de Shelyaq. Et en fait, il embarque des images de démonstration et c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Ça veut dire que tout ce que je fais dans cette vidéo, vous pouvez le faire vous-même simplement en téléchargeant le logiciel qui est gratuit. Okay? Quand on démarre avec le logiciel Demetra, on a cette fenêtre d'accueil avec quelques menus et deux boutons principaux qui envoient vers le module de gestion des observations et le module d'acquisition des spectres. Alors, acquisition des spectres, c'est quand on a un spectro qui est connecté effectivement à l'ordinateur. Ce n'est pas mon cas aujourd'hui, donc on y reviendra dans une vidéo ultérieure. Pour l'instant, je vais aller du côté du bouton Gérer les observations. Alors, donc j'ouvre une nouvelle fenêtre. Une observation, c'est le cœur du logiciel Demetra. Une observation, c'est quand vous voulez obtenir un spectre de qualité d'une étoile donnée, vous faites une observation de cette étoile. Simplement, une observation, ce n'est pas une image, ce n'est pas simplement une image, c'est une collection d'images, et même de plusieurs types d'images, des images de noir, de flat, de calibration, et évidemment l'image, le spectre de l'objet lui-même, mais et puis très souvent on va faire plusieurs spectres de l'objet lui-même, et c'est l'ensemble de ces images qui vont nous permettre ensuite de faire un traitement de données, qu'on appelle la réduction de données, qui va nous permettre d'obtenir un résultat de qualité. Donc l'idée de Demetra, c'est vraiment de faire quelque chose à la fois qui aide énormément l'observateur, qui est facile, qui rend la spectroscopie facile et qui conduit à un résultat de très grande qualité scientifique. C'est-à-dire on ne fait aucune impasse sur la qualité des données. OK? Alors, quand on est dans cette fenêtre principale, on a un onglet qui est de définition de l'observation avec la définition de l'objet. Par exemple, quand je vais sur l'observation Vega de Vega ici, le nom de l'étoile c'est Vega. Et j'ai aussi des informations de contexte, le nom de l'observateur, le site d'observation et un instrument utilisé, le spectroscope utilisé. Ces informations sont mises à la fin dans les en-têtes des fichiers de résultats, en particulier l'en-tête des fichiers FITS. Okay. Le deuxième onglet, images, est celui dans lequel justement on collecte les images. Donc je peux voir mes différentes images, par exemple ça, c'est les différentes images que j'ai prises de Vega. Je peux à chaque fois double-cliquer sur une image et je peux du coup l'afficher en bas et voir immédiatement le résultat. Donc on a des outils pour manipuler très simplement les images, pour voir effectivement les différentes images qui ont été collectées pour cette observation. Par exemple, quand je regarde des images d'offset, je vois qu'elles sont effectivement complètement grisées par comparaison avec mon image de spectre, où là je vois bien le spectre de l'étoile elle-même. Enfin, si j'enlève les bandes de référence ici, je vois bien le spectre lui-même, ça c'est mon image brute. D'accord? On a un système de couleurs, de code de couleurs dans Demetra qui fait que quand c'est vert, tout va bien, on peut aller se coucher. Si un panier est vide, je peux par exemple vider une image comme ça, l'observation devient rouge. Okay, si je remets mon image, le panier devient vert. Quand tous les paniers sont verts, ça veut dire qu'on a fini de faire toutes les acquisitions dont on a besoin pour faire notre observation. Et dans ce cas-là, je peux passer à l'onglet réduction de données. Donc la réduction de données, elle est décrite ici, c'est un certain nombre d'étapes de traitement d'images pour aller extraire l'information scientifique de ces images jusqu'à produire un spectre de qualité. Alors c'est quelque chose de relativement complexe, hein, il y a pas mal d'étapes, mais grâce à Demetra, on fait ça justement en quelques clics. Pour certaines étapes, vous verrez qu'il y a des paramètres qui sont à régler. L'étape de géométrie, par exemple, ces paramètres, dans les images de démonstration qui sont fournies avec le logiciel, les paramètres sont déjà réglés, donc ça me permet de me mettre vraiment en situation une fois que l'instrument et qu'on a démarré et qu'on a paramétré correctement le système. Et ben voilà, je fais une observation, il me suffit de cliquer sur le bouton lancer et j'ai en quelques secondes le résultat de mon observation avec ici en bas, on a vraiment le spectre de Vega, un spectre d'étoiles chaudes, avec ce qu'on appelle les raies de Balmer ici, donc les raies de l'hydrogène, qui me permettent en un clin d'œil de vérifier que la calibration en longueur d'onde s'est bien passée. Donc ici, on a vraiment un spectre qui est étalonné en longueur d'onde physique. D'accord? Voilà, donc c'est en quelques clics, ça va très vite, et même si c'est pourtant complexe, mais en fait, tout est simplifié parce qu'on a pris le problème par le bon bout, parce qu'on a collecté les bonnes images et fait la réduction de données dans le bon ordre. Okay? Et puis le dernier onglet ici, et ben, une fois qu'on a fait la réduction de données, donc on a
obtenu ce résultat scientifique, on peut l'exporter dans différents formats, on peut le manipuler. Enfin, cet onglet-là sert effectivement à visualiser le résultat. Et par exemple, ici, j'ai décidé d'exporter des images, une image en PNG et une autre en PDF. Et donc, je peux créer ces deux fichiers, par exemple le fichier PNG ici que je peux ouvrir dans un explorateur de fichiers tout à fait classique. Okay, donc voilà le résultat de mon observation. Voilà, c'était encore une fois, c'était un petit tour du propriétaire très très rapide, juste pour expliquer les grands concepts généraux. Dans les prochaines vidéos, on s'attardera sur les différents éléments, effectivement, les différents paramétrages, les différentes étapes, etc., de l'utilisation de Demetra.